Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix du Brésil 2014. Un circuit sur lequel je n'aurais même pas pu m'entraîner puisque je sais pas pourquoi je plante. À chaque fois que je lance le mode Proving Ground qui permet en gros de s'entraîner, hein, de faire des tours en essai vidéo, je charge le circuit, ça crash. Donc j'espère que ça va tenir ici, mais j'ai l'impression que ça marche que quand je lance la course. Voilà, en plus il fait gris, donc ça sous-entend tout simplement qu'on va devoir faire. Enfin, en tout cas, que je vais devoir faire ça en one shot, sans m'être entraîné avant sur le tracé, donc ça va être génial, les gars, on va bien se marrer. Au niveau du setup, je vais laisser par défaut, parce que de toute façon, j'ai pas pu faire grand-chose de plus. Et écoutez, c'est parti, hein. Go to track. Bon, au pire, si je me plante, je ferai recommencer. Je laisse une chance. Parce que c'est pas fair play, du coup j'ai pas pu m'entraîner donc. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix du Brésil. C'est un circuit que j'aime beaucoup dans tous les jeux de F1. Je trouve que c'est un circuit qui est vraiment intéressant à chaque fois. Donc on va voir ce que ça donne ici. Donc bon, je connais le tracé, c'est déjà ça. Après, voilà, j'allais dire, après il faut que je m'habitue, réhabitue au maniement. Et au point de freinage que je n'ai pas, donc voilà. Déjà j'ai perdu énormément de temps à la première épingle, pour la chicane. Donc autant me dire que ça part super bien. C'est un circuit où normalement on peut dépasser, mais bon, je ne sais pas quel va être mon rythme dans le deuxième secteur, qui est normalement là où je galère toujours le plus dans les jeux de F1. Tout voilà cette portion ici. Oh, j'ai tout donné, alors les pneus, rien à péter. Je crois même que j'ai rattrapé un peu du retard, à voir. Ouais, pas fou. Bon, je pense que j'ai fait un deuxième secteur pas si mal. Par contre, le premier était catastrophique. J'ai failli me manger le mur, d'ailleurs je me le suis mangé. Ok. Donc je fais le 13e temps. Je crois que j'avais fait le 17e. Ce qui en soi est pas trop mal. Bon, 2 secondes de retard. Après c'est un circuit qui est très court, hein, donc c'est assez logique. J'ai envie de faire restart session. Juste parce que c'est pas faire. Donc on va faire restart session. Et on va retenter. C'était la chance dont je disais tout à l'heure. Soit je tente, soit je tente pas. On fait go to track. Et c'est parti. Là, peu importe ce qui se passera, je devrais assumer. Bon, là, déjà, j'ai. J'ai énormément récupéré de temps par rapport à tout à l'heure grâce à ça. Ah, par contre, il fait pas du tout beau. Donc je sais pas pourquoi, je sens que pour la course, ça va être la même. Je sens qu'il y a bien à avoir un tracé sur la fin du championnat, il va pleuvoir. C'est un peu mieux, on va gagner je pense un bon 5 dixièmes. Ouais, on est d'accord. Troisième temps. Bon ben voilà, ready. Ça fait le coup de recommencer. Et on est même devant Sébastien Vettel. Ouh, ça annonce du bon ça. Alors on va faire continuer, c'est parti. On va du coup valider. Le choix des gommes pour la course. Ah, j'avais jamais vu ça.
Alors effectivement, dernière course, j'ai oublié de mettre d'afficher le podium, je pensais qu'il n'y en avait pas, et en fait il aurait fallu attendre. Du coup, troisième chrono, bah écoute, je ne savais même pas qu'il y avait une vidéo pour les qualifs, mais écoutez, parfait. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, il recharge, d'accord, parce qu'il a rechargé la vidéo. Favorite high skill professional. Évidemment, on est des professionnels, vous le savez très bien. Bon, je pense sincèrement que si on met le jeu au maximum de la difficulté, c'est pas la même quand même. Voilà, c'est comme je dis, c'est la première fois que je joue à ce jeu, enfin que je fais. Oui, que je joue à ce jeu déjà, et qu'en plus je fais un championnat juste derrière. Donc, j'en ai pas mettre le mode difficulté le plus élevé non plus, mais professionnel c'est quand même pas mal. Surtout qu'on n'a pas pris la meilleure équipe, hein, loin de là. On a pris l'avant-avant-dernière. J'ai pour l'instant fait 24 tours en tête. Et puis moins de 6 points par contre. J'espère que ça va aller jusqu'au bout le chargement. Bon, je sais que c'est le chargement qui est toujours long parce que je sais pas pourquoi en fait. Mais autant le chargement des menus est assez rapide, autant le chargement de la course. Ah, il y en a pour 1000 ans. Toujours pour 1000 ans. Donc là, si on part troisième, bah écoutez, on va essayer de faire. Ça serait bien de faire un autre podium, mais j'en doute un petit peu quand même. Allez, changement. Et là, je sens qu'il va pleuvoir. Vous le sentez venir ou pas, ça? Alors. La météo. Ah, il y avait plus de chance en qualif qu'en course qu'il pleuve. Ouais, donc potentiellement. Ok, on va faire back. Alors, au niveau de la stratégie, bah, comme d'habitude, hein, vous le savez, restart, on va partir en prime. Et on finira en option pour les autres tours. Alors, il y a 18 tours, donc on va faire 12 tours en 12 tours avec les pneus médium. Voilà, on va faire back. Et je vais rien changer au setup parce que je le trouve plutôt pas mal. Et on va faire go track. C'est parti donc pour la course, ce Grand Prix du Brésil. Avant de la course de la saison, il restera Abu Dhabi. C'est peut-être l'occasion de faire le break ici, parce qu'à Abu Dhabi, je ne pense pas qu'on va être très très fort. Donc c'est le moment ou jamais d'enterrer les autres équipes au championnat. Bon départ peut-être entre les deux Mercedes. Attendez, on va se calmer, on va voilà. Ouais, je suis à l'intérieur, nickel. Oh oui. Oh merde, oula. J'allais dire, on est en tête de la course. Et largement devant d'ailleurs. Écoutez, parfait. On va se plaindre, hein. Déjà ils reviennent. Ça, je m'y attendais un peu quand même. Ça me paraissait un peu logique. Ce qui est difficile à gérer, c'est la longue ligne droite. Pour l'instant, ils n'ont pas le DRS, mais bon. Les Mercedes étant de base plus rapides que nous en ligne droite, on n'aurait pas fort long feu, je pense. Ah, c'est Vettel qui a pris la position? Ah ah.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a été plus rapide que Vettel en qualification. Ah, c'est vrai que j'ai pas les mêmes gommes, j'oublie toujours ce détail, mais. On n'est pas en pneu tendre. Bah, quand il va y avoir le DRS, ça va être compliqué à gérer, franchement. Ah, j'ai tellement peur qu'il change de côté d'un coup et. DRS activé. Oh, il est juste derrière. Oh, avec le DRS, ça va être facile. Oh, ça va être simple pour lui. Oh, il y a la Williams derrière. Oh, il y a la Williams derrière qui est troisième. Oh, c'est pas bon ça. Bon, bah, ça au Brésil, ça m'étonne pas qu'ils soient en forme. Évidemment. Alors, j'ai plus trop de souvenirs du Brésil 2014. Je crois que c'est. C'est Rosberg qui a gagné. Hamilton, je sais plus. Alors, je suis dégoûté d'avoir fait une erreur ici parce que j'ai commencé un peu à m'éloigner des pilotes derrière moi. Ouf, oh là là, ça va être compliqué avec le DRS. En plus, il l'a déjà maintenant, il est déjà passé. Ah! J'ai pas réussi à me décaler. Il est resté sur sa ligne, en soi c'était pas mal, mais je pensais vraiment prendre l'extérieur, et puis au moment où je mets à l'extérieur, il se met à l'extérieur. Et du coup là c'était quand même compliqué. Oh là là, ils vont tous me bouffer au freinage. Non, ça va. Oh là là. Ah, du coup on a cassé l'aileron avant, ça c'est pas bon. Hein. On perd du temps au stand. Alors paradoxalement, j'ai remarqué que perdre l'aileron un petit peu à loin, enfin le casser légèrement, restabilise un peu le train avant. Mais du coup, évidemment, je tire un peu plus devant en virage, la voiture s'ouvre énormément. C'est loin d'être critique, mais bon, c'est pas non plus fou. Par contre, je sais pas combien de temps vont durer les pneus de temps, hein. Ça c'est une autre question. Ah, il était le meilleur tour, ça j'en doute pas. Il a 9 secondes d'avance! Ah ouais, j'ai vraiment un temps qui. Un temps. Un rythme qui est très très lent. Là, je vais essayer un petit peu de me restabiliser au niveau des chronos. Pas encore au tiers de la course. On va profiter pour l'instant pour parler un peu de la vraie F1, puisqu'il n'y a pas de Grand Prix actuellement. Apparemment, il y aurait une rumeur comme quoi Adrian Newey aurait signé chez Ferrari. Bizarrement, ça ne me surprend pas trop. En tout cas, si c'est vraiment le cas. Parce que je le voyais mal aller dans une autre équipe comme Aston Martin ou l'équipe Mercedes. Donc, le fait qu'il choisisse Ferrari, je pense que c'est parce qu'il a dû voir la hauteur du défi, la légende, etc.
Et du coup, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, dans le sens où on va voir ce que ça peut donner. Et peut-être que là, on est en train de reformer la Dream Team Ferrari, hein, parce que Vasseur a l'air quand même très très bon. La Ferrari marche pas trop mal non plus, hein, on l'a vu. Certes, au Canada, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est un peu une anomalie, je pense. Et si en plus on a Newey chez Ferrari, oh là là, ça va rappeler les plus belles heures de Ferrari dans les années 2000. Donc ça risque d'être très intéressant à suivre. Alors bien sûr, comme il fait une année sabbatique, ça sera pas tout de suite. Je pense qu'on sera plutôt pour le règlement suivant. Donc le règlement 2026 ou 2027. Enfin, pour l'année 2026 ou 2027, mais du coup le nouveau règlement. Alors du coup, ça sous-entend peut-être qu'Hamilton a fait le bon choix, encore une fois. Ça serait assez drôle, honnêtement. Le mec qui part chez Mercedes, tout le monde dit « Non, non, pourquoi tu fais ça ?» Blablabla, reste chez McLaren, nanana. Il fait le meilleur choix de sa vie. Et là, il part chez Ferrari, bon, certes, Mercedes n'est pas au mieux, mais c'était pas non plus dit qu'ils allaient foirer tout le temps. Je tente, ouais, le cadre intérieur, c'est bon. J'ai failli toucher un peu sa roue. Je sais plus ce que je disais, oui, et du coup, là, il fait le choix d'aller chez Ferrari, et puis on apprend peut-être que Newey irait chez eux, et il a quand même un sacré bol dans ses choix. Hein. Si on va comparer à Alonso par exemple, qui fait toujours le mauvais pari. Alors on en a un qui fait par exemple toujours les bons. Donc à voir. Moi, je pense que ça peut être très intéressant à suivre. Après c'est un nouveau règlement, donc peut-être que ça sera moins dans les cordes de Newey au niveau du. Newey au niveau de l'aérodynamique, même si elle est quand même bien retravaillée. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner. Puis c'est en plus, ça a donné aussi potentiellement sa chance à Leclerc hein, d'avoir peut-être enfin un titre pilote. Parce que Hamilton, mine de rien, bon, ça a toujours été un bon pilote, hein, c'est pas le débat. Mais on sent quand même qu'il commence à avoir un peu le poids des années. Il manque parfois un dixième ou deux, et surtout en vitesse pure. Et par rapport à Russell, on l'a vu. Donc peut-être que Leclerc, qui lui aussi est très fort pour faire des pole positions, ça peut être un peu péché. Donc on verra. J'ai quand même un gros doute sur un duel entre les deux. Je pense que ça devrait tourner pour Leclerc. 16 secondes de retard sur Vettel. À la pure régulière, hein, je veux dire, je sais pas non plus 3000 erreurs quoi. J'ai fait un tour en 1.18. Lui tourne en 1.16, si je dis pas de bêtises. On a vu les meilleurs tours, donc ça fait 2 secondes par tour, on est déjà au 8ème. Ouais, bah c'est ça, hein, une fois 2.16. Ouais, je pense que le podium va être très complexe à avoir. On va voir, quand même en fin de course, si les pneus temps nous permettent de reprendre du rythme. Ah, ça rentre pour Rosberg. Nous, on n'est pas encore à ce stade. On ressort en tête, mais derrière, qui c'est qu'il y a? Il y a déjà Vettel qui a quasiment avait un arrêt de différence avec nous. En vrai, je pense pas avoir le rythme pour m'en rester sur le podium. Je pense que ce sera impossible. Dans les points, oui, je pense que ça devrait le faire. Mais mes podiums, là. Ouais, tous les gens derrière, quoi. Déjà, Vettel, c'est sûr, il nous bouffe. Je pense que le rythme des Mercos, elle va être énorme derrière pendant ce temps. Alors que ça rentre pour la Ferrari.
absolument pas utilisé quoi que ce soit. Il nous reste deux tours à faire. J'ai amélioré mon premier secteur. Le bas qui blesse, c'est ici. Hein. C'est ce double droite où j'ai absolument pas de grip. Je pense que les Williams vont nous mettre une misère finalement à cette course. Je vais s'imaginer ce que ça aurait donné si on était parti 12e. Ouais, 15 secondes Rosberg, 3 secondes Ricardo, ça fait 18 secondes d'écart. Ça me fait passer devant en tout cas Ricardo pour le moment. Mais Rosberg passe devant. Donc ça nous sort logiquement de du podium. Je me demande d'ailleurs s'ils ont pas plus d'ailerons que moi, parce que dans la ligne droite. Ils vont certes vite parce qu'ils ont le DRS, mais une fois qu'ils l'ont pas, ils sont pas très rapides. Je pense qu'en fait ça se joue peut-être aussi sur le sur les ailerons. Allez, prochain arrêt maintenant. Ouais, Rosberg a déjà gagné 2 secondes sur ce tour, il a plus qu'à 13 secondes de retard. Donc Rosberg nous a bouffé, Vettel aussi. Et je pense que Ricciardo normalement devrait nous bouffer aussi. Mais on aura un mérite que lui peut-être après. C'est pas encore fini. Sauf qu'en plus de ça, ils vont avoir donc les durs, les médiums, ce que vous voulez, mais avec en plus quelques tours de roue avec. Donc ils vont pas avoir un rythme, un grip exceptionnel. Allez, c'est parti. Rosberg va passer devant, c'est sûr. Ricardo aussi. Oh, on est même 5e. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on est loin. Est-ce qu'on est loin, on est 7e, 8e maintenant. Il va falloir attaquer parce que on a une Williams qui est devant nous.
pas qu'on aura le DRS. Allez, on a le DRS, il reste pas beaucoup de tours. Bon, c'est vrai que j'ai légèrement cut, mais bon. Quand même beau le dépassement. Ouais, c'est bien ce que je pensais, j'ai pas le DRS. Là, je l'ai. Allez, grosse concentration, faudrait. Ouais, je pense que c'est faisable d'aller chercher Alonso. Voilà, niveau gomme. Mon dieu, le pneu intérieur, comme je l'ai mis cher là. Et devant ça, Raikkonen. Je passe dans un trou de souris. L'usure, j'ai pas le DRS. Bon, c'est clair qu'avec ces gommes-là, on a un grip tellement énorme dans le double droite, ça change énormément. Je pense qu'on peut avoir la seconde. Ouais, 0,9. Non, on l'a pas. Ah, c'est dommage. Ouais, j'ai le DRS. Oula. J'ai fait les redésactiver juste derrière. Oh. Ouais, je suis vraiment passé comme un enfoiré. Alors j'ai pas fait gaffe au stand, mais c'est vrai que potentiellement j'ai dû changer mon aileron avant, j'ai même pas fait gaffe. C'est pour ça que j'ai perdu du temps. Et oui, c'est pour ça que j'ai perdu du temps.
Sinon, j'en serais pas loin de Ricardo. Enfin, pas loin, j'aurais sorti. Je serais sorti pas trop loin. Bon, Ricardo, ça va être compliqué, il y a 5 secondes, c'est impossible. Chaque fois, je me fais avoir. C'est-à-dire que je commence à prendre l'intérieur, mais je vais trop loin. Parce que j'ai peur qu'en vous contrebraquant, je me retrouve d'un seul coup à partir à l'extérieur. Du coup, j'ai tendance à continuer de tourner. Et ben non, faut pas faire ça. Bon, ce dernier tour va être un peu plus difficile, mais ça va. On est vite revenu là! C'est qui devant nous? Je sens que c'est une Manor, c'est bizarre. Je crois que c'est une Manor devant, c'est pas une. Ouais, c'est une Manor. C'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait une Manor qui soit déjà juste devant nous. Ok, on a mis un tour à une manor. J'ai pas compris. Enfin, une Marussia, pardon. C'était pas encore les manors. Et du coup, on a fait face à Sabissette, oui, oui. Donc, même avec les gommes tendres, on était pas dans le rythme. Enfin, on avait une seconde de retard quasiment. Là, les meilleurs temps autour. On est 17-1, 17-0. Ouais, quoi que non, en fait, à part les Mercedes, on est dans un rythme correct. Voilà, donc c'était ça. Alors peut-être que, oui, comme je disais, le fait d'avoir réparé le rond avant, j'ai perdu du temps. Et j'aurais pu me retrouver à me battre avec Daniel Ricciardo. On finit à 4 secondes. Bon, ça va. Bon, en tout cas, je suis assez content parce qu'on finit 4ème. On est devant les deux Williams, devant les deux Ferrari. Ça va faire du bien. Et surtout à l'approche du dernier round. Voilà, donc au niveau du classement pilote, on est 6ème. Je pense, allez... On va être assez réaliste qu'on devrait conserver notre position au classement pilote parce que Raikkonen le plus proche est à quasiment à 15, plus de 15 points. 15 points. Donc 15 points, il faudrait qu'il soit 3ème ou 4ème. Ça va être compliqué que nous on marque pas de points. Et ensuite pour le championnat constructeur. Et ben là par contre. Rien du tout n'est joué. La seule chose qui, on va dire, quasiment jouée, c'est qu'on sera au minimum 5ème. Par contre, Williams, un point d'écart. Et là, ça va jouer à la dernière course. C'est pour ça que ça sera intéressant. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!